Salut Inès. T'as l'air surprise. Ça te fait pas plaisir de me voir? Bah quoi, embrasse-moi. S'il te plaît. Allez, viens, on va parler un peu tous les deux. Mais laisse-moi. Deux sang au trou! T'as déjà oublié? Ah, tout de qui? J'ai une petite surprise pour toi. Mais d'abord, on va parler un peu tous les deux. Allez, monte! Inès, salope! Je vais te tuer! Te tuer, t'entends? C'est aujourd'hui que votre mari doit sortir de prison. Comment ça va? Vous vous sentez comment? Ça va pas. Je n'arrive plus à dormir, je fais plein de cauchemars. Je suis fatiguée. J'ai peur, j'ai tout le temps peur. J'ai peur quand je sors, j'ai peur quand je vais faire les courses, j'ai peur qu'il soit là, qu'il me retrouve, qu'il m'a promis. Oui, bah, calmez-vous. Hein? Vous n'êtes plus toute seule. Et le petit, bah comment? Ça va. Il est à l'école. Ma sœur va aller le chercher, là. Je voudrais bien qu'il passe un jour ou deux chez elle. Puis je vais aller les voir cet après-midi pour pas être toute seule. Oui, c'est mieux. Ne restez pas toute seule si vous pouvez. Et le dossier d'aide juridictionnelle, pour la demande d'avocat, vous l'avez envoyé? Madame Lantier. Madame Lantier, on l'a rempli ensemble. Vous n'avez plus qu'à le poster. L'audience approche et vous risquez de ne pas avoir d'avocat. Je vais le faire. Je le poste aujourd'hui. Le téléphone, vous avez vérifié si la touche d'alerte fonctionne? Tout fonctionne. Alors, ce serait peut-être plus pratique de l'avoir dans une main ou dans une de vos poches. Plutôt que... Enfin, un endroit plus accessible que votre sac, en tout cas. Puis n'hésitez pas à vous en servir. Je vous raccompagne. Au revoir, Madame Lantier. À la semaine prochaine. Merci. Madame Lantier, êtes-vous en danger? Oui. Où êtes-vous? Je suis dans ma voiture, là, rue de la Mare. On vous a localisé. Je viens d'apercevoir mon mari. Je crois que c'est lui, là. Il est dans une voiture grise. Il me suit. Vous êtes sûr que c'est votre mari? Non, je... J'arrive pas à bien voir son visage. Essayez de vous arrêter dans un endroit où il y a du monde. Une pharmacie, un café. Et verrouillez bien vos portières. Vous m'avez entendu, Madame Lantier? Madame Lantier, je vous entends plus, vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez, Madame Lantier? Madame Lantier? Madame Lantier, vous m'entendez toujours? Je... C'était pas lui, je crois. Vous êtes sûr? Ouais, ouais, la voiture a continué sa route. Ça va aller, madame. N'hésitez pas à nous rappeler en cas de besoin. Pas d'imprudence, surtout. Salut, ma bite. Attends, je vais t'aider. Non, ça va. Qu'est-ce que je fais devant chez moi? T'inquiète pas comme ça, je vais pas te tuer. Je suis venu pour discuter avec toi. Madame Lantier, êtes-vous en danger? On a manqué, tu sais. Tu sais bien que tu peux pas venir devant chez moi. Puis Tim, tu peux le voir, mais tu dois passer par l'espace de rencontre protégé, tu sais. Tu me fais quoi là exactement? Tu te souviens que je sors de tôle à cause de toi? Allô, police, service des femmes en très grand danger. Madame Lantier est en danger, elle est face à son agresseur, à son domicile, 15 rue du Cygne.
J'en ai rien à foutre de ton espace de rencontre. Putain, m'énerve pas. Je veux voir mon fils maintenant, t'entends? Ils sont devant l'immeuble, il veut entrer dans l'appartement de madame, je ne sais pas s'il est armé. On va m'aider à discuter tous les deux et tu vas appeler ta soeur pour qu'elle l'amène ici. Sinon je te défonce, t'as compris? Allez, viens! Tu peux pas partir! Ta gueule, salope! Ouvre! Asseyez-vous, je vous en prie. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? Un an, c'est ça? C'est ça. Je suis content de voir que vous avez retrouvé le sourire. Comment va votre fils? Il va bien. Je vois que vous avez repris vos études d'infirmière. Votre procédure de divorce est terminée. Vous avez aménagé dans votre nouveau logement. Aujourd'hui, monsieur est incarcéré. Un jour, il sortira de prison. Si vous sentez à nouveau en danger... J'espère que j'aurai plus jamais besoin de vous. Tenez. Vous savez maintenant qu'on est là pour vous protéger. Je sais.